Salut, c'est Emeraude, bienvenue sur ma chaîne Emeraude VMAX. Donc on se retrouve pour la suite de Pokémon Perle Scintillante. Donc on était sur le chemin pour aller à Voilaroc et donc on va continuer sur le chemin. Là j'étais en train d'essayer d'attraper un... Comment ça s'appelle? Un... Pantominus, voilà. Pour l'instant j'ai essayé deux attaques sur quatre. Ça n'a pas fonctionné. Enfin je l'ai KO en une seule fois donc... Je vais essayer les autres attaques, si je le trouve. Et après, on verra. Après, je changerai de Pokémon, tout simplement, hein, si j'arrive pas à l'attraper. Avec Primplouf. Ok, bon, bah on va essayer. J'avais essayé... pardon, j'avais essayé Buldo et pistolet à eau, vu que c'était une attaque moins puissante. Oh! Yes! C'est parfait ça! C'est ce que j'attendais. Ouais, désolé, hein, oui, mais je comptais pas à ce qu'il s'échappe, c'est pas grave. Je me suis... j'ai eu une explosion de joie. Hey yes, on a attrapé Fantominus. Ah, je suis contente. Et poison. Je pense que je vais le garder, Fantominus. Non, pas sûr, non. Je vais l'inclure dans l'équipe, je pense. Moi, je dirais à la place de Rose Bouton, parce que c'est pas un Pokémon qui m'intéresse plus que ça. Je vais juste du coup, hop, changer mon équipe. Non. Déplacer. Voilà. Ça en est bon. Pour l'instant, j'ai trouvé que Fantominus et Nosferapti, donc je pense qu'il n'y a que ça ici. On verra, on verra. Allez, montons. Oh là là. Ils font des labyrinthes en fait. Bonjour. Mon Pokémon repose ici, tout ça à cause de la Team Galaxy. Depuis, j'en veux à tous les dresseurs Pokémon. Bah, c'est pas de ma faute, calme-toi. Hein. Oh. Ah, griffe acier super efficace, et ben allons-y. Ok, cool. Ah, mais, ah. Mais non, je veux aller chercher ce qu'il y a dans les dans la Pokéball, pardon. J'arrive même pas à m'exprimer correctement. Faut que je fasse gaffe, il me reste plus beaucoup de bulles d'eau, là. Ça commence à être compliqué.
Ah, Onyx Neo 26, cool. Ah, un rappel, en plus j'ai bien fait de venir. Et non, arrêtez! J'en ai marre de me battre. Tout est efficace. Oh, je ne sais plus que faire. Je vais pas faire griffe acier parce que je sais que ça laisse un peu de pourcentage de PV. Maintenant que je l'ai eu, c'est bon. Ah, Ponyta niveau 23. Cool. Je ne me l'explique pas, mais le fait d'être ici me donne envie de me battre. Ah oui, tu es un peu étrange, toi. Allez, prends un plouf. Bon bah, ce sera Bulldo, hein. Ok, cool. Ah, Luxio au niveau 28. C'est dur de faire progresser les Pokémon maintenant. Un Pikachu. Non, je vais pas changer. Moi aussi, je vais trouver un Pikachu. Il a un Raichu? Ah non. Ça a été dans la logique, ceci dit, hein. Pichu, Pikachu, Raichu. Non, c'est Pichu, Pikachu, Pichu. Bon, il me reste toujours pistolet à eau. C'est efficace quand même. Hein? Mais qu'est-ce que je faisais? Je sais pas, tu te battais accessoirement. Mais il y a combien d'étages ici? Peu importe où on se trouve, si des Pokémon t'accompagnent, tu dois te battre. Mon Pokémon est fougueux, laisse-moi te montrer à quel point. Bien sûr. En fait, avant de venir ici, j'aurais dû aller au centre Pokémon. Un Ponyta. Oh! Ah bah alors là c'est parfait. Ponyta Mustéboué avec Primplouf et Luxio. On est très bien. Primplouf va s'occuper de Ponyta. Et Luxio va s'occuper de Mustéboué. Chacun son truc. Chacun son Pokémon. Ouais, alors. Il y avait bien marqué que ma vive griffe me permettait d'attaquer plus vite. Alors faut m'expliquer. Ah, Fantominus niveau 19, cool. Bah voilà. Ce fut un beau combat. Et en même temps, il me reste plus beaucoup d'attaques avec mon Primplouf là. C'est un peu la galère. Eh bien, quelle fougue! Tu as beaucoup d'énergie en toi. Mais je gagne beaucoup d'argent aussi, ça c'est cool. Je dois oublier ma peine, s'il te plaît, bats-toi contre moi. Pas bien. Ah! Elle aime les manzaï. Et bah oui, elle aime les manzaï.
Heureusement que j'ai encore Griffacier. Ouais, doucement, on se calme. Ce combat n'a fait qu'accentuer ma peine. Bah oui. En même temps, t'as perdu, forcément. Non, déjà que je me bats contre des gens, si en plus il y a des Pokémon qui apparaissent, ça va, hein. C'est moi tranquille. Je vais utiliser des pistolets à eau. Ouf, ça marche, mais bon. C'est compliqué, hein. Je suis en train de me dire quelle attaque il faut que j'utilise. Ok, Kadabra niveau 28. Quelle attaque faut-il que j'utilise pour éviter de tout gaspiller? Ah, balayette, la fameuse balayette que j'avais vue tout à l'heure. Non, encore un Pokémon. Ça va être compliqué. Oh zut. Je vais utiliser Griffacier du coup, parce qu'il me reste pas mal de cette attaque, contrairement aux autres. Je suis un peu keblo là pour l'instant. Je suis un peu bloqué. Je ne veux pas me ridiculiser à nouveau, pas devant mon petit copain. Je ne peux pas me ridiculiser à nouveau, pas devant ma petite amie. Ok. Bah, vous allez vous ridiculiser tous les deux, l'un devant l'autre. Feu forêt avec Cornèbre. Ok, je crois que je me suis jamais battu contre les deux. Je sais pas, je vais essayer ça sur Cornèbre, je sais pas trop. Du coup, moi je vais essayer ça sur l'autre. On va voir. Ok, c'est pas trop mal. Ah, ça c'est très efficace. À coup critique, ok, je comprends mieux. De toute façon, il va le tuer, Praplouf. Voilà, très bien. Ah, Fantominus niveau 20. Malédiction. Je me souviens plus de ce que c'est. Alors, je vais regarder. Non. Je me sens vide à l'intérieur. Si vide. Ah mince, quelle déprime. Je commence à gagner beaucoup d'argent sur les combats Pokémon. Bon, c'est quand... Ah, je suis enfin arrivée au dernier étage. Oh mais, mince. Oups, c'était pas ce que je voulais faire. Quoique, c'est peut-être ce que je devrais faire. Attendez. Je vais sauvegarder parce que là... On sait jamais ce qui peut se passer. Je ne suis pas sûre. Laisse-moi t'aider à sortir de cet endroit sans encombre. Prends ceci. Oh, une rune purifiante.
Donne une rune purifiante au premier Pokémon de ton équipe, elle t'aidera à repousser les Pokémon sauvages. Merci madame. La tour perdue est l'endroit où repose l'âme des Pokémon disparus. Ceux qui ont vécu très longtemps, ceux qui sont partis trop tôt. Tous les Pokémon y trouveront un jour le repos. Tu as bien fait de nous rendre visite. Tiens, prends ces CT. Ah, les gros rochers. Non, laissez-moi tranquille. Ah, tu m'étonnes qu'il ait envie de retourner se coucher. Ok, donc je suis censée mettre... Non, ça c'est les CT. Oh, j'en ai beaucoup. C'est juste provisoire, hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. C'est juste le temps que je sorte d'ici, j'en peux plus. Ça aide à repousser, mais c'est pas non plus total, hein. Allez. Ah, Primplouf niveau 32. C'est parfait ça. Non, j'en peux plus. Laissez-moi sortir. Tout est efficace. Bulldoze, c'était assez efficace. Je vais essayer pistolet à eau. Ok, c'est bon. Laissez-moi partir maintenant. Non! Je veux sortir! Je suis obligée de faire un Pokémon par étage, c'est ça? Allez, sortons d'ici. Enfin, yes, je suis sortie. Je vais pouvoir remettre ma vive griffe. Je sauvegarde, je veux pas y retourner.
E, c'est bon, je les ai déjà faits. Ah, je suis arrivée à Bonville. Première chose à faire, centre Pokémon. Je ne cherche pas à comprendre là. Mon Praplouf, il a plus d'attaque, le pauvre. Bon allez, tant que je suis là, je vais parler aux gens. Ça fait une trotte de Bonville à Voilà Rock. Tu pourrais te reposer au café sur le chemin, mais je te le déconseille. Ouais, mais la question c'est pourquoi? J'ai lu dans un article que les Pokémon grandissaient tous à leur rythme. Bah apparemment oui. Bon allez, on va commencer par un peu de jardinage. Suivant. C'est extrêmement long le jardinage. Mais bon. Si je veux avoir des baies, j'ai pas trop le choix. Ah, je vous jure, hein, franchement. Non seulement je fais du jardinage, mais le jardinage encore, ça va. Franchement, c'est assez simple. Mais la cuisine. La cuisine. La cuisine dans Pokémon, c'est pas comme la cuisine en vrai, c'est vraiment trop dur. C'est clairement plus simple de cuisiner en vrai. Que je comprends pas. Normalement, dans un jeu, ça doit être plus simple. C'est pas le cas. Allez, hop. Je vais aller voir ce qu'on me propose. Je vais racheter quelques Pokéballs. Je pense que je vais acheter les Sombre Balls. Beaucoup d'argent, je peux me permettre. Potion, oui. Super potion, c'est bon. Je vais quand même prendre ça maintenant. On sait jamais. Bah, je m'approche, elle s'en va. Si tu utilises un repousse, les Pokémon les plus faibles ne s'approcheront pas de toi. C'est pratique quand tu n'as pas de temps à perdre. J'aimerais décorer mes capsules balls, mais ils ne vendent pas de sous ici. Oui, en effet. Alors du coup je suis allée là-dedans, je vais aller ici. Ah, tu sens ce bon air frais? Il requinque même les Pokémon, c'est pour ça que je suis dehors. Très bien monsieur, d'accord. Salut, tu es là car tu as vu notre annonce sur le panneau, c'est ça? Eh mais tu as un Pokédex, ça veut dire que tu connais le professeur Sorbier.
C'est un vrai pro pour dénicher les Pokémon celui-là. S'il te fait confiance, j'imagine que moi aussi je peux compter sur toi. Je veux que tu m'amènes un poids sirène. Il me le faut aujourd'hui ou ma rubrique tombe à l'eau. N'oublie pas, j'ai dit aujourd'hui, pas demain, la dépêche Pokémon n'attend pas. Sérieux, hein? Nous ne sommes pas beaucoup à travailler pour ce journal, mais je peux te dire que nous avons énormément de lecteurs à Sinnoh. Et bah vous savez ce qu'on va faire, et bah voilà, on va aller chercher un poids sirène pour le monsieur. Oui, si... Laissez-moi tranquille. Non, je voulais pas me battre. Bon, tant pis. Bon, il arrête avec son intimidation, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que tout est efficace. Je prends le premier qui passe. Allez, je vais mettre à pêcher, je vais essayer d'attraper un... Je sais un peu où est-ce que c'est. C'est par ici? Super canne. Oui, j'ai compris que ça ne mordait pas, merci. On va réessayer. Ça mord pas tout le temps. Hein. Heureusement que c'est une super canne. Oh, un Magikarp, si je peux l'avoir. Je dis pas non. Comme c'est un Pokémon de type eau, je vais essayer. Forcément, Buldo. Mais il m'a marqué que c'était pas très efficace. J'étais one shot. Je fais comment moi? Mais non, je suis pas d'accord. Oh là là. Pas très efficace. Hein. Nous n'avons pas la même notion de pas très efficace. Je vais essayer pistolet à eau. Si ça marche pas, par contre, je vais devoir changer de Pokémon après. C'est un Pokémon de type eau, donc ça devrait pas être efficace. Mais je le one-shot, c'est quoi ça? Mais je veux pas qu'il gagne des points d'XP, je vais attraper le Magikarp. Ponyta niveau 24, ouais bon ça va mais... Oh là là. Quelle catastrophe. Ah, poids sirène. Je vais essayer Buldo, mais alors là, va pistolet à eau. Ah, ça marche un peu mieux déjà. J'aurais peut-être même dû faire Buldo. Je vais essayer de l'attraper, mais je suis pas sûre. Je pense que elle a encore trop de... Oh. Ok, cool. Ben, merci. Non, pas de surnom.
Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait un bout de chemin quand même, on s'est surtout beaucoup battu. Ça c'est très important. Du coup j'ai gagné pas mal d'XP, tant mieux. Je suis arrivée à Bonville, donc c'est la ville juste avant d'aller à Voilaroc. Mais au moins j'avance quand même. J'ai réussi à avoir mon poids sirène, je vais pouvoir lui donner le poids sirène. Et on verra après, on continuera à explorer la ville. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye!